pour manifester la grandeur de Dieu, son salut, son plein salut qu'il nous a accordé. Alléluia. Maintenant, nous allons quitter les lieux et revenir encore dans les autres activités. Amen. Seigneur, tu nous as choisis pour proclamer ton nom. Seigneur, tu nous as choisis pour proclamer ton nom. Seigneur, Oh!
au travers de cette parole. Les paroles qui sortiront de sa bouche soient des paroles que Dieu mettra dans sa bouche. Au travers de sa parole, que les malades soient guéris. Que ceux qui sont venus si tourmentés reçoivent la délivrance. Et que quelqu'un reçoive une orientation ce matin. Bénis le Seigneur. Moins-le puissamment. Et que l'onction de prédication lui soit transférée. Plus que ce que nous avons également. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Je prie ce matin que le Dieu de faveur, le Dieu de grandeur, le Dieu de puissance, le Dieu devant qui rien ne résiste, le Dieu qui m'a sorti des ténèbres, qui m'a ramené à son appui à lumière, celui qui m'a permis d'être là ce matin, qu'il vous bénisse abondamment. Chers parents, soyez bénis. Amen. Chers frères et sœurs, soyez bénis. Alléluia. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le message de ce jour. Chers frères et sœurs, chers jeunes, la jeunesse est la vigueur. Je veux plus vous sentir ce matin. Je vous remercie parce que je vous ai beaucoup senti tout à l'heure. Soyez vivants. La Bible déclare que les événements passés sont passés. Hier est passé. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est notre jour. Que personne ne se lève ce matin.
cette force. Peu importe les événements que tu traverses. Peu importe ce que tu as traversé par le passé. Peu importe ton destin ou pas. Sache que Jésus-Christ est Seigneur. Et qu'il est le Dieu qui écoute les prières. Alors si Jésus-Christ, il n'a pas condamné Marie de Magdala. Et il a gracié. Il va nous gracier ce matin. Peu importe ce que vous avez déjà fait. J'ai l'assurance. Parce que je n'étais pas propre. Mais Dieu m'a racheté. Il m'a pris. Il m'a sorti d'un endroit que je suis le seul. Il m'a sorti d'un trou. Il m'a sorti d'une ténèbre. Et aujourd'hui, je suis sur la chaîne de prêcher. Que toute la gloire lui soit rendue. Gloire à Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu se trouve dans la force de la jeunesse. Alors je suis dans la force ce matin. Je suis dans la force ce matin. En étant devant vous. Alors très rapidement, nous allons vous présenter le plan que nous allons suivre. Comme nous l'avons défini tout à l'heure, la force, c'est la capacité que Dieu nous donne pour avoir le dessus dans les événements, pour prendre l'ascendant des événements. Même lorsque le moment vient, où nous devons être désespérés, une capacité de Dieu nous vient pour nous aider. Alors la force, c'est la capacité que Dieu nous donne pour nous démarquer des événements. Alléluia. Amen. Alors très rapidement, nous allons définir ce que c'est que le progrès. Le progrès, c'est faire de l'avancée. Évoluer en d'autres termes, c'est grandir, c'est gagner du terrain, c'est aller de l'avant dans tout ce que nous faisons, c'est avoir le dessus là où les gens ont échoué. Parce que toi tu es chrétien, et parce que ces jeunes vous êtes chrétien, également moi je suis chrétien, l'éternel va nous relever de tout endroit où nous avons chuté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie ce matin qu'après cette fête, qu'après cette parole déclarée par l'Éternel, de ma bouche, le progrès soit évident dans notre vie. Alors le progrès, comme je le disais tantôt, c'est le processus dans une direction donnée, en posant les pas l'un après les autres, pour atteindre le but fixé. Et que ce but doit épouser la volonté de Dieu. Alors pour le chrétien, le progrès, c'est de faire de l'avancée. Évoluer pas à pas. Quitter un lieu donné pour un autre lieu. Tout en étant figé sur la volonté de Dieu. Focaliser sur le but. Il n'est aucunement en aucun cas. Il n'est en aucun cas possible que moi, en tant que chrétien, que je puisse prendre ma foi. Peu importe ce qui se passe, peu importe le domaine de progrès escompté, peu importe le domaine de progrès que je veux, que j'attends, je dois toujours avoir pour objectif dans ma tête que je suis le fils de la lumière. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, vous êtes des filles de la lumière. Dans 3 Jean 1, le verset 2, il pouvait dire, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que sans la prospérité spirituelle, aucun progrès n'est garanti. Cherche. Tu es là ce matin. Dieu a un plan pour toi. Parce que l'objectif de Dieu, c'est que dans les 4 mois à venir, que ton progrès soit évident. Mais cela passe inévitablement par ta connexion avec Dieu. Alors, la jeunesse, c'est la phase de la vie de l'être humain
Dieu, surtout dans la jeunesse. Alors cherche ce matin, est-ce que ta vie donne gloire à Dieu? Est-ce que ton progrès donne gloire à Dieu? Tu as progressé dans un domaine donné. Mais est-ce que ça a donné gloire à Dieu? Alléluia. Amen. Parce que nous devons en rendre compte. Nous devons rendre compte de tout cela. Voilà pourquoi, de façon contextuelle, 1 Timothée 4, du verset 12 à verset 15, nous parle de l'apôtre Paul et son fils dans la foi. Le verset qui sous-tend notre thème nous invite, en tant que chrétien, à l'image de Paul, qui parlait à son fils dans la foi, Timothée, de tout faire pour que notre progrès soit évident. Alléluia. Amen. Alors très rapidement, nous allons lire dans 1 Timothée 4, du verset 12, au verset 15. Je lis. Que personne ne méprise ta jeunesse. Sois un modèle pour tous. Alléluia. Amen. Sois un modèle pour les fidèles. En parole. En conduite. En charité. En foi. En pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Et que je revienne. Après le temps. Après un temps donné, et que toi à qui j'ai confié l'argent, que tu sois dans l'incapacité, que tu sois dans l'incapacité, que tu ne puisses plus m'expliquer ce que l'argent fait, encore pour me présenter les résultats évidents. Alléluia. Amen. Alors ce matin, je voudrais dire à quelqu'un que Dieu, il nous veut dans le progrès. Et Jésus-Christ, dans Matthieu 25, à partir du verset 14, au verset 29, nous a parlé, nous a expliqué ce que c'est que la parabole des talents. Et la parabole des talents, compte tenu de notre temps, nous ne pouvons pas lire tout ça, mais nous pouvons le faire plus tard. Alléluia. Amen. Alors Dieu nous montre par là que nous devons évoluer. Parce que Dieu, Jésus-Christ, expliquait par là que le patron, en voulant voyager, a confié des choses à ses ouvriers. Et le premier en a multiplié. Le second également en a multiplié. Ainsi de suite. Mais le dernier, il a préféré les cacher. Parce qu'il a ses raisons. Parce qu'il voulait raisonner. Alléluia. Amen. Alors ce matin, je voudrais dire à quelqu'un que lorsque Jésus-Christ expliquait cette parabole, il disait par là que l'ouvrier qui a voulu cacher, qui a caché ce que le patron lui a, ce que le patron lui a confié, a été insulté. Le patron n'était plus content de lui. Son patron n'était plus fier de lui. Son patron l'a réprimandé. Chers frères et sœurs, chers jeunes, ce matin, qu'est-ce que nous avions déjà confié? Et que nous avions caché ça. Au lieu de fructifier, nous sommes allés mettre ça quelque part. Ce matin, il faut que nous puissions faire les arrêts de conscience et voir notre vie. Voir notre vie autrement, selon la volonté de Dieu, selon la perception de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, très rapidement, cela suppose que tout chrétien qui est soumis à la loi du progrès doit évoluer impérativement. Et nous avons vu que Joseph, à la maison de Potiphar, prospérait dans tout ce qu'on lui confiait.
nous affirmer dans beaucoup de domaines. Nous affirmer dans le domaine du progrès professionnel. Nous affirmer dans les domaines scientifiques. Nous affirmer dans le domaine technologique. Parce que nous avons reçu un esprit de capacité, un esprit de puissance. Cet esprit qui était en Joseph, Joseph n'a pas failli chez Pharaon. Chez Pharaon, chez Potiphar, cet esprit est en nous. Alors nous devons forcément être conscients de la puissance de Dieu qui est en nous. Nous avons une capacité. L'humanité tout entière, le corps du Christ en particulier, a une capacité. Le monde a des capacités. Les chrétiens aussi ont des capacités. Alléluia. Amen. Nous avons des capacités. Tu as des capacités. J'ai des capacités. Comme personne, comme l'a dit l'apôtre Paul, ne prête ta jeunesse pour s'en moquer. Tu es jeune. Tu es vigoureux. Tu es vigoureux. Tu as la capacité de faire les choses. Tu dois faire les choses pour glorifier le nom de ton Dieu. Alors, pour le faire, et nous allons dans le deuxième point rapidement, la deuxième partie de notre prédication nous parle de comment arriver à un progrès évident. Alléluia. Amen. Cette deuxième partie nous amène à comprendre certaines réalités. Alors pour un progrès évident, moi en tant que chrétien, en tant que jeune chrétien, je dois avoir des comportements donnés. Je dois marcher selon des comportements donnés. Je dois marcher selon des habitudes données. Je ne dois pas me laisser à moi-même parce que je ne m'appartiens pas. Alors le premier petit point, c'est préserver ses acquis chrétiens. Préserver ses acquis chrétiens. La foi, nous devons la préserver. Parce que la foi est ce que Dieu nous a donné. La Bible déclare de se confier en Dieu en tout temps afin que le progrès puisse être remarquable. De nous confier en Dieu. Alors si je suis chrétien, si je suis enfant de Dieu et que je n'ai pas foi en Jésus, en qui je pourrais avoir foi? Je suis jeune chrétien. La première des choses qu'il me faut pour progresser, c'est de préserver ma foi. Ma foi doit être préservée. Il est capital. Ce n'est pas négocié. Que ma foi soit intouchable. Et la Bible déclare dans Jean 1, le verset 12, que tous ceux qui l'ont reçu, il a donné la capacité. Il a donné une foi. Il a donné la capacité de devenir enfant de Dieu. Non de la volonté du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de l'esprit de Dieu. Tu as un esprit de capacité. Tu as un esprit de puissance. Et cet esprit ne peut marcher. Cet esprit ne peut être opérationnel que si tu es scotché à Jésus-Christ. Parce que lorsque tu venais dans le Seigneur, tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alors pour rien au monde, tu ne dois vendre ta foi. Pour rien au monde en tant que jeune, je ne dois vendre ma foi. La première des choses que je voudrais que vous fassiez désormais et que vous amenez vos enfants à être scotchés à Jésus-Christ, c'est que vous amenez vos enfants à se conformer à la foi en Jésus-Christ. Parce que c'est la foi en Jésus-Christ qui ouvre les opportunités. C'est la foi en Jésus-Christ qui donne, qui offre des opportunités grandioses. C'est la foi en Jésus-Christ qui nous permet d'avoir des résultats. Prouvons. Alléluia. Amen. Le monde entier étant sous la domination du malheur,
nous devons, en tant que chrétiens, nous confier en quelqu'un. C'est là que je dois préserver ma foi. Alors si je vois ma foi en tant que jeune, si des vents ont soufflé et que j'abandonne ma foi au détriment des choses de ce monde, qu'est-ce que je peux faire sur cette terre? Je vais errer. Je ne veux pas que nous soyons errants. Et c'est dans cela que l'apôtre Paul pouvait nous dire dans son livre de Galates, dans le verset 20, que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors Christ vit en moi lorsque je me confie en lui, lorsque je fais tout en tant que je, lorsque je fais tout en tant qu'une sœur, lorsque je fais tout en tant que jeune homme. À plaire à mon Dieu. À lui être agréable. Alors, pour ce faire, le deuxième acquis chrétien que nous devons préserver, c'est notre salut. Le salut, c'est la vie éternelle que Dieu nous accorde en tant que chrétien qui demeurons fidèles à lui. Alléluia. Amen. Nous devons demeurer fidèles à Dieu. Afin que notre salut soit préservé. Ne soit pas amarchandé. Alors, dans Jean 3, le verset 16, Dieu, dans son amour, nous a donné son Fils unique. Et il est allé à la croix. Il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié pour vous et moi. Il s'est sacrifié pour toi. Toi, jeune de l'amiral, Jésus-Christ s'est sacrifié pour toi. Et si Jésus s'est sacrifié pour toi, pour te donner la vie éternelle, pourquoi irais-tu vendre cette vie? C'est anormal. Parce que tu es le sel de la terre. Et si tu es le sel de la terre, ça passe par la foi que tu préserves. Ça passe par le salut que tu préserves. Ça passe par un certain nombre de choses. Alors, rapidement, le second volet, c'est la vie de piété. Et la vie de piété, c'est la crainte en Dieu. Est-ce que devant le monde, est-ce que devant tes camarades, est-ce que lorsque tu es devant tes amis, lorsque tu es en classe, toi qui es élève, qu'est-ce que tu fais? Respecter Christ, c'est faire des choses que Christ aurait aimé. C'est détester le mal. C'est haïr le mal. Le respecter, c'est de faire ce qu'il aime. Respecter Christ, c'est de lui accorder le crédit. Imagine ton père. Ton géniteur, celui qui t'a mis au monde. Tu ne lui donnes pas. Tu ne lui donnes pas honneur. Or la Bible déclare que nous devons honorer nos parents. Alors est-ce que tu honores ton père? Celui qui t'a mis au monde. Celui qui t'a éduqué. Jusqu'à que tu viennes à cet état. Comment tu l'honores? Est-ce que tu lui donnes la gloire? Est-ce que tu lui donnes le respect qu'il faut? Est-ce que tu lui donnes ce qu'il faut? Lorsqu'il n'est pas là. Parce que par ton éducation, on saura, que tu appartiens à telle personne. Par ce que tu fais, lorsque tes parents ne sont pas là, lorsque ton père n'est pas là, on va détecter la qualité de l'éducation qui doit inculquer. Alors il vient de piété, passe forcément. Par une vie de sanctification. Cher Dieu, tu es là ce matin. En quoi tu sanctifies le nom de ton Dieu? En quoi tu sanctifies le nom de Jésus-Christ? Et comme je l'ai dit tantôt, lorsque je suis parmi mes camarades, parmi mes collaborateurs, parmi mes collègues, qu'est-ce que je fais pour que le nom de mon Dieu ne soit pas sali? C'est vraiment capital. La maison dans laquelle tu vis, qu'est-ce que tu fais pour qu'on sache que toi,
chrétien. Qu'est-ce que tu fais pour qu'on sache que toi, je tu es mis à part. La Bible nous dit que ceux qui se sanctifient, c'est ceux-là qui ont le cœur pur. C'est ceux-là qui ont la main innocente. Alors, est-ce que ta main est innocente en tant que Jésus-Christ? Est-ce que ta main fait des choses qui sanctifient le nom de ton Dieu? Est-ce que tu n'es pas végété dans des choses souillées? Est-ce que tu n'es pas dans les combats? Est-ce que tu ne fais pas des choses qui salissent le nom de ton Dieu? Alléluia. Amen. Alors le dernier point dans ce volet, c'est la vie de prière. La vie de prière. La vie de prière. Nous devons prier. La vie de piété regorge la vie de prière. Tu dois prier efficacement. Tu dois prier pour donner gloire à ton Dieu. Tu dois donner pour ne pas succomber. Chers frères et sœurs, quand tu ne pries pas, tu es sujet à des choses. Tu es sujet à des tentations. Le diable vient pour te tenter, pour te voler des choses. Quand tu ne pries pas, le diable vient pour t'insuffler des pensées. Le diable vient pour te déliter du chemin du progrès. Nous devons progresser. Alors pour progresser, nous avons besoin de prier. Prier efficacement. Et nous avons vu, par exemple, que Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il disait à ses disciples de veiller de prier une heure avec lui, ils étaient dans l'incapacité. Mais nous avons vu que Pierre, par la suite, a relié Jésus-Christ. Il a relié Jésus-Christ plusieurs fois. Alors en tant que chrétien, quand tu ne te confies pas à Dieu, dans la prière, peu importe la volonté que tu as, peu importe la volonté humaine que tu as, tu ne peux pas progresser. Tu ne peux pas donner gloire à ton Dieu. Tu ne peux pas glorifier le nom de ton Dieu. Alors si je suis sur cette terre, en tant que je me regorge de force et de capacité, de force, autrement dit, si je ne glorifie pas le nom de mon Dieu, si je ne prie pas efficacement, si je ne progresse pas, en quoi le nom de mon Dieu sera honoré? Il est capital pour nous tous de vraiment prier. Et la Bible nous dit, très rapidement, dans le livre de Daniel, la Bible dit dans Daniel, dans Daniel 1, le verset 8, que Daniel était résolu, que le point se souillait avec les deux doigts. Daniel avait pris un engagement de ne pas se souillait avec les deux doigts. Mais cela est arrivé. Cela est arrivé pour que Daniel donne gloire à son Dieu. Pour que Daniel donne gloire à son Dieu. Pour que la gloire revienne à Jésus-Christ. Alors la résolution, c'est capital en tout temps, en toute chose. En toute chose. Peu importe ce que tu veux. Tu dois prendre des résolutions. Tu dois prendre des décisions. Tu dois être capable. Même si c'est difficile. De prendre des décisions. Daniel a pris une décision. Et finalement, Dieu l'a soutenu. Alléluia. Amen. Alors, à l'image de Daniel. En tant que jeune chrétien, nous devons prendre des décisions. Nous devons prendre des résolutions. Et la Bible déclare, dans Jean 22, le verset 28, à tes résolutions répondra le succès. Sur ta lumière priera. Sur ta sentier brillera la lumière. Sur tes sentiers brillera la lumière. La lumière de Dieu va briller sur tes sentiers. Ce matin, quelqu'un qui est ici et qui a besoin que Dieu le touche quelque part, afin qu'il progresse, la grâce de Dieu te localise. Au nom de Jésus-Christ.
jeûne. En quoi as-tu honoré le nom de ton Dieu? Devant des situations compliquées. Quand les parents soufflent. Quand tu es devant tes camarades. Et qu'ils sont en train de se moquer de ton Dieu. De Jésus-Christ qui est allé à la croix pour toi. En quoi tu le dépends? En quoi tu l'honores? Est-ce que tu ne le relis pas? Comme Pierre a relié Jésus. Alors ce matin, tu dois prendre des résolutions. La Bible nous dit qu'à telle résolution répondra le succès. Cela suppose forcément que je dois en amont prendre des décisions, prendre des résolutions avant que le succès ne vienne, avant que le progrès ne vienne, avant que la réussite ne vienne. Et dans Daniel 1, le verset 9, la Bible me dit que Dieu m'y trouvait à Daniel faveur et grâce devant le chef des ennemis. Ce matin, le Dieu qui avait trouvé à Daniel et à ses amis faveur, sa grâce n'est pas terminée. Sa grâce nous localise ce matin. En tant que jeune ce matin, nous devons prendre des décisions. Et lorsque nous allons prendre des décisions après ce matin, que la grâce de Dieu nous localise. Même si c'est compliqué, même si ton papa, celui qui t'a mis au monde, te dit de faire des choses. Te dit de faire des choses. Tu dois refuser. J'ai quitté une famille que je connais particulièrement. Une famille qui est en déclin. Alors un jour, je veux parler de mon tuteur. Et un jour, j'étais allé à la maison. Et je voulais prendre un colis pour envoyer à ma mère. Alors, lorsque j'étais parti, une cérémonie était en train d'être faite. Et lorsqu'il faisait la cérémonie, je mettais le nom. Et au cours de la manifestation, c'était une manifestation où c'était un sacrifice où je ne faisais pas en tout temps. Lorsque je n'avais pas encore donné ma vie à Christ. Et je prenais du plaisir à le faire. Mais un jour, lorsque j'étais allé là, ils savaient qu'ils étaient en train de faire cette cérémonie. Et moi, et la part de mon tuteur qui m'attend, qui est ma tante, je les ai salués d'abord, comme je devais le faire respectueusement. Alors, étant donné que j'étais initié à ça, il y a des lois et il y a des restrictions que je n'avais pas respecté le jour-là. Alors, subtilement, ma tante me dit, ah, mais tu ne vas pas t'incliner devant ton chef. Ça, ce n'est plus de l'humanité. C'est de la spiritualité pure. Mais j'étais là. Et je riais. Parce que je savais que je n'allais pas donner gloire à Dieu. C'était une lutte. Et dans ça là, dans le lot, il y avait quelqu'un, ceux qui avaient été initiés nouvellement. Et ce jour-là, quand il a dit à Jésus qui s'est refusé, quand j'ai pris la tente, je suis parti à côté. J'ai subtilement. J'ai fait comme Pierre et je me suis incliné. Je suis rentré dans la maison et je les ai laissés faire leur truc. Alors, cette chose, je sais que ce tas que j'ai posé, ça les a frustrés. Ils n'ont pas manifesté. Mais j'ai compris que la résolution la devait prendre. Je n'ai aucune force. Mais Dieu m'a aidé en ce moment. Mais avant que je n'aille dans cette maison, ne sachant pas que je devais être face à cette situation, j'avais prié. J'étais en feu, vraiment. Parce que lorsque le moment vient où je dois prier, je prie. Et si je n'avais pas prié ce jour-là, si avant d'aller là-bas, je n'avais pas prié, je me serais étonné. J'aurais donné la gloire à Satan. Parce que les choses du monde appartiennent au monde. Et je suis fils de la lumière. Tu es un fils de la lumière. Cherche bien les fils de la lumière. Nous devons manifester la lumière de Dieu. Nous devons glorifier le nom de Dieu. Et j'ai prié. Dieu a exaucé. J'ai pris une résolution. Dieu m'a accompagné. Et comme Daniel a trouvé faveur, j'ai trouvé cette faveur. Et j'ai béni le nom de l'Éternel. Parce que en ce moment-là, il y avait des choses que j'attendais.
de Dieu. Et si je m'étais incliné devant des choses qui ne l'ont pas Dieu, comment serait-il? Gloire soit rendue à Dieu. Soit rendu à Dieu. Il m'a aidé. L'Esprit de Dieu m'avait aidé. Et aujourd'hui, je suis devant vous. Alors, pour rien au monde, je ne laisserai ma foi, je ne laisserai mon Dieu être asservi. Parce que Jésus-Christ a fait l'œuvre à ma place. Alors, toi, en tant que jeune, peu importe le domaine que tu en as, peu importe le problème que tu veux, tu ne dois pas prendre ton droit. Ton droit en Christ. Ton droit en Christ. Tu dois honorer ton Dieu. Alors, un autre point, pour progresser, tu dois changer ta mentalité, ta façon de percevoir. Ton intelligence doit être renouvelée. Tu ne peux pas prétendre être l'enfant de la lumière et penser comme les gens du monde. Tu ne peux pas prétendre appartenir à Jésus-Christ et marcher avec les enfants de sa vie. Tu ne peux pas prétendre vivre dans la lumière, vouloir manifester la lumière et aller te comporter comme les autres. Il juge. Il est capital que la mentalité doit changer. Et Romains 12, le verset 2 nous dit que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est à cela que Dieu nous appelle. Tant que notre mentalité, tant que notre façon de fonctionner, notre façon de percevoir les choses, tant que notre intelligence reste voilée, nous ne pouvons en aucun cas glorifier le nom de notre Dieu. Alors ce matin, l'Éternel nous dit ce matin, au travers de ma bouche, que nous devons nous laisser façonner par le Saint-Esprit. Nous devons nous laisser manager par le Saint-Esprit afin que notre progrès soit évident. Alléluia. Ta mentalité doit être abandonnée à Christ. Tu dois percevoir les choses comme Christ. Tu ne dois pas voir les choses comme ceux qui sont dans le monde. Tu ne dois pas voir les choses comme un incrédule. Et pour ce faire, pour que l'intelligence soit renouvelée, tu as besoin de méditer la parole. La méditation de la parole de Dieu, c'est ça qui nous permet d'être illuminés. C'est ça qui enlève de nos yeux des écailles. Les écailles sataniques, les choses de ce monde qui pourraient nous empêcher de voir la gloire de Dieu, de patienter et d'attendre l'heure de Dieu. Je prie ce matin, au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui environne la vie de quelqu'un, pour l'empêcher de voir dans la direction de Dieu, pour rentrer dans la faveur de Dieu, pour marcher selon le plan de Dieu, soit dégagé au nom de Jésus. Je déclare ce matin que toi, je qui as répondu à Amen, que la faveur de Dieu t'accompagne, que le progrès de Dieu soit évident dans ta vie, dans tous les domaines, dans tout le domaine que tu veux, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons méditer. Et comme la Bible nous recommande, dans Josué 1, le verset 8, la méditation, ce n'est pas négocié. Et dans l'école de dimanche de ce matin, on nous a parlé de la méditation. En quoi la méditation est capitale? La méditation, lorsque tu fais, ça te rend patient dans la marche, dans le progrès. La méditation de la parole de Dieu te permet de réussir dans tes entreprises, te permet de prospérer, te permet d'aller de l'avant. Peu importe le domaine que tu veux, si tu ne médites pas la parole de Dieu, comment tu peux avoir la révélation? Tu dois avoir la révélation. Et le roi David pouvait dire, dans le psaume 119, le verset 105, que ta parole est une lumière à mes pieds. Ta parole est une lumière. Il dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors le sentier que tu prends, est-ce que la lumière de Dieu est là? La lumière de Dieu va intervenir si et seulement si tu médites la parole de Dieu. Ceux qui sont dans le monde, ils ne méditent pas la parole de Dieu comme nous, mais ils ont des choses qu'ils méditent. Ils ont des paroles qu'ils méditent. Toi, en tant que chrétien, Dieu te convie ce matin, en tant que jeune homme, à méditer la parole de Dieu. Parce que c'est
gloire. Nous vendons notre gloire. Nous ne nous accrochons pas à la parole de Dieu pour avoir des révélations et pour l'appliquer. Et pour l'appliquer. Alors après la méditation, tu dois l'appliquer. Il ne sert à rien. Que tu médites la parole de Dieu, que tu réfléchis profondément sur la parole de Dieu, et que tu ne l'appliques pas. Alors ma prière ce matin est que Dieu nous donne la capacité, en tant que jeune, nous donne sa sagesse. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. La sagesse, cette capacité qui vient de Dieu, cette aptitude qui vient de Dieu, pour nous conduire dans le progrès. Et l'apôtre Paul pouvait dire, je sais ce qui est bien. Le bien, je le sais. Mais pour le faire, je n'arrive pas à le faire. Alors tu as besoin d'une capacité. Et pour le dernier point dans ce volet, Philippe, rapidement, il est nécessaire d'avoir l'onction. L'onction pour réussir. Pour réussir, tu as besoin d'une onction. Et Dieu nous a déjà donné son esprit. Il te faut travailler toi-même. Il te faut prendre des décisions. Il te faut aller à la rencontre de cet esprit. Il te faut marcher avec le Saint-Esprit pour bénéficier de son onction. Parce que c'est le Saint-Esprit qui voit. Et quand le Saint-Esprit voit, les échecs nous sont assujettis. Les échecs fléchissent le genou devant nous. Tu as besoin de l'onction. Daniel a résisté. Il a résisté face à ses chefs. Il a résisté face à ses ennemis. Parce qu'il a une onction. L'onction de Dieu était sur lui. La touche de Dieu était là. Et cette touche, cette capacité, jeune chrétien, c'est elle qui te permet de prendre le dessus des événements. Lorsque tout semble s'écrouler autour de toi, cher papa, chers frères et sœurs, tu es ici ce matin. Et parce que tu dois honorer ton Dieu et progresser dans ton domaine donné, mais tu n'as pas la capacité. La faveur de Dieu nous localise. La capacité de Dieu qui permet de faire les choses désormais pour la gloire de Dieu nous soit accordée. Nous avons cru que Paul, il était païen. Il était saut alors. Il était saut d'un temps. Aujourd'hui, il est Paul. Il a fait beaucoup de choses pour le Seigneur. Il a fait beaucoup de progrès. Il a implanté beaucoup d'églises dans son ministère. Il a impacté beaucoup. Parce qu'il a l'onction. Paul, il est regorgé de l'onction. Il est regorgé de l'onction. C'est pour ça qu'il pouvait faire des choses extraordinaires. C'est pour ça que Dieu pouvait l'utiliser pour ça. Tu dois aller à la quête de l'onction. Tu as besoin de chercher l'onction. Passer du temps dans la présence de Dieu. Chercher le Saint-Esprit à ta main. Parce que nous sommes jeunes. Nous avons la capacité. Nous avons la force maintenant de faire des choses. Mais pour faire ces choses, nous devons le chercher Dieu. Également, nous avons le temps. En tant que jeune, tu as le temps d'aller à la rencontre de ton Dieu. De l'entrer dans la profondeur avec ton Dieu. Afin qu'il puisse t'équiper. Et l'onction, lorsqu'elle intervient, le surnaturel est palpable. Rien ne se présente devant toi. Rien ne peut résister devant toi. Rien ne peut valoir devant toi. Rien ne peut prétendre te bloquer. L'onction de Dieu brise les joues. L'onction de Dieu brise les joues. L'onction du Saint-Esprit brise les joues. Le Saint-Esprit, c'est lui qui donne l'onction. C'est moi qui te dis ce matin que tu dois tout faire pour que le temple de ton Dieu soit maintenu. Peu importe ce que tu avais déjà fait. Dieu est un Dieu de capacité. Dieu est un Dieu de miséricorde. Dieu accorde la faveur. Et là où les hommes t'ont rejeté, je peux te reprendre. Ce matin, lorsque tu vas décider, tu vas prendre la résolution d'aller à la rencontre de ton Dieu. Dieu est fidèle. Et il va te restaurer.
reprend. Alléluia. Quand Dieu vous aime. Le dernier mot vous finit. Je voudrais dire à quelqu'un que le progrès, le succès, le succès amène un individu, un homme, à avoir beaucoup d'ennemis. Le succès crée des ennemis. Le succès crée des ennemis. Le succès t'amène des ennemis. Alléluia. Amen. Le succès te met dans une posture. Alléluia. Amen. Te met dans une posture qui crée beaucoup d'ennemis. Okay. Mais nous avons vu le cas de David. David avait aidé Saül à assurer sa loyauté. Parce que, à un moment donné, Saül, lorsqu'il dirigeait, il avait besoin de terrasser un ennemi, un grand ennemi, un Goliath, un blocage était devant lui, un blocage était devant lui qui devait briser. Alléluia. Alors l'onction de Dieu qui était descendu sur David avait été manifesté ce jour-là. Et David a zigouillé. David a zinqué facilement cette montagne qui est Goliath. Et Goliath. Et au finish, Saül, lorsque il n'avait pas pu traiter par le passé son caractère, sa méchanceté, sa jalousie, son caractère méchant, il s'est laissé. Et la chair l'a conduit. Et il a commencé à en vouloir David. David était jeune. David était jeune. Mais la jalousie avait commencé. À le poursuivre. Mais Dieu ne l'a pas laissé. Parce que David était dans une bonne connexion. Avec Dieu. David avec une bonne connexion. Avec son Dieu. Alors ce matin, il te faut une bonne connexion avec ton Dieu. Pour que les montagnes, la jalousie, la haine, que les ennemis amènent contre toi soient terrassés. L'onction de Dieu, lorsqu'elle se manifeste, elle brise les joues. Et lorsqu'elle brise les joues, les ennemis se soulèvent. Daniel, il avait beaucoup d'ennemis. À Babylone, il y avait beaucoup de sorciers. Des méchants qui étaient là. Mais Daniel a pris le dessus. Parce que Daniel et ses amis, ils étaient dans une bonne connexion avec Dieu. Daniel était avec Dieu. En tout temps, Daniel marchait avec Dieu. Dieu conduisait Daniel. Si le Dieu qui accompagnait Daniel, et Daniel faisait des miracles, Daniel dans la politique, en tant que conseiller du roi, il n'a pas fléchi. Il n'a pas fléchi. Nous, ce matin, en tant que jeune de la miracle, nous devons tout faire progresser. Nous devons tout faire. Et maintenir cette cape. Et faire les choses. À l'image de Daniel et de ses trois amis. Alléluia. Malgré l'adversité, ils n'ont pas fléchi le genou. Joseph, il a été devant Pharaon. Il a été élevé devant Pharaon. Mais avant cela, ses propres avaient déjà vu en lui. Il avait déjà vu une capacité en lui. Et il voulait déjà l'éteindre. Mais la grâce de Dieu l'avait préservé. Et Joseph, il a été un jour premier ministre. Toi qui es ici ce matin, qu'est-ce que l'ennemi a déjà planifié sur toi? Qu'est-ce que l'ennemi a pris déjà en toi? Quelle capacité l'ennemi a déjà mis et que voulait étouffer? Tu dois être réveillé. Parce que le monde est méchant. Parce que le monde est souillé. Nous devons veiller. Mais la Bible nous conseille d'être prudent comme le serpent et simple comme la colombe. Nous devons être simple afin d'avoir le dessus. Parce que si le Dieu qui n'a pas laissé Daniel dans l'adversité, il est toujours le même Dieu. Aujourd'hui, éternellement, il ne va pas t'abandonner. Toi, en tant que jeune, tu dois tout faire pour glorifier le nom de ton Dieu.
Je prie ce matin que celui qui est dans l'adversité, que celui qui est bloqué, parce que des jaloux se sont déjà levés, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église, que ce soit dans tes activités, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu qui vient et qui brise les jours se manifeste dans nos vies. Je prie au nom de Jésus que la jeunesse de la myriade prospère à tous égards. Je prie au nom de Jésus que la jeunesse de la myriade quitte la stagnation. Comme Jésus a ordonné, et les enfants d'Israël avaient quitté la stagnation ce matin. La puissance de Dieu nous localise et nous sort des ténèbres, nous sort des blocages, nous sort de la même place afin que nous puissions progresser. Peuple de Dieu, Dieu est un Dieu de grâce, Dieu est un Dieu de bénédiction. Alors je te dis, vous finis, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nous devons véritablement nous engager, nous devons nous reconnecter à notre Dieu, afin que la gloire nous soit donnée. Parce que le monde entier a été déjà saisi par le malin. Le méchant avait déjà pris le contrôle de ce monde. Alors, toi qui es jeune chrétien, toi qui es ici ce matin, toi qui es de la miracle, toi qui nous suis ailleurs, il est impératif que tu donnes gloire à ton Dieu et que Dieu nous aide. Peuple de Dieu, je vous souhaite une bonne fête. Et que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu puisse vous accompagner. Au nom de Jésus.